dit bonsoir aux 3300 personnes connectées en 2 minutes, ça prouve que véritablement nous sommes sur la page de Aputu National, Armé Stéphane La Lumière, le guide, le paracétamol. Depuis quelques jours, il y a une situation qui se pose sur les réseaux sociaux, affaire de Dubaï. Les gens m'ont envoyé plein de messages à Aputu National, tu dis quoi par rapport à Dubaï là? Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se dit. Aputu National, on veut entendre, parce qu'on t'a connu, pas étant l'homme qui va se jouer les chics, les intellos deux jours là. Ta manière d'être là, ça ne nous plaît pas. Aputu Bakayoko, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis? En plus, ils sont en train de mettre caca dans le pays déjà. Tu dis quoi? Il dit, calmez-vous. Vous savez, il y a des gens qui font tellement de sorties. Anachique, bilorural, à bâtard. Le français est maudit ce soir. Prenez vos calepins, parce que le français qui va sortir ce soir, vous allez l'écrire. Je vais vous apprendre les mots dictionnaires. Parce que actuellement là, j'ai 6 profs. Papa, ça m'a donné 2. Mona m'a donné 3. Et ma mère m'a donné 1. Donc, allez là. Il me cultive en anglais, en espagnol, tout ça. Depuis quelques jours ici, nous voulons sur la toile facebookale. L'histoire de Dubaï. Il a dit, avant que je ne parle d'affaires de Dubaï là, je dois d'abord mener mes enquêtes. Voir en long et en large. Qu'est-ce qui se passe réellement à Dubaï? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est un buzz. Ce n'est pas un buzz. Pour beaucoup de personnes, il faut venir s'asseoir pour se moquer, pour en rire. Elle ne veut pas s'asseoir pour se moquer, pour en rire. Mais quelle est la leçon de moralité qui doit sortir dans cette histoire de Dubaï? Quel est le conseil que nous devons donner à nos jeunes soeurs, à nos frères, à nos frères, frères encore frères? Belém, Belém, viens me coudre ici. C'est déjà gâté. Envoie-moi de l'eau à nos frères. Viens quoi, de l'eau? Mets ton coude, demande de l'eau, s'il te plaît. On va commencer le direct. On est 5000 personnes connectées. Tiens. Faut appeler le père d'Alois là. Il est en train de me fatiguer là. Faut qu'il est en train de m'appeler au moins. Mais attendez, j'ai la musique. Comment de l'eau? Pourquoi je l'appelle? Je vais voir ici rapidement les 10 000 personnes connectées avant que le Aputu National nous donne son point de vue ce soir. Voilà. Je vais voir les 10 000 personnes connectées avant que le Aputu National ne passe ce soir. Vous avez demandé à ce que le guide parle. Le guide va parler. Donnez-moi mes 8 000 partages. Nous sommes 5600 personnes connectées en 3 minutes 40 secondes. Chaque minute est égale à 2000 personnes connectées. C'est normal, c'est le guide, c'est la lumière. Aputu va parler. Donnez-moi mes 10 000 personnes connectées rapidement. Avant que je ne parle, nous allons d'abord écouter d'abord cette belle musique-là de mon grand frère Didier Kérosène. Et après, maintenant, nous allons partir à Porta Porco. Ou même Porta quoi là? C'est pas qu'on appelle là. Voilà, on va aller là-bas. À Porta Porco. Partagez le direct, mettez le cœur. Voilà. Fais la porte. À cause de pète.
Envoyez les étoiles, maman, envoyez les étoiles. Je ne sens pas les étoiles, envoyez les étoiles. Merci beaucoup à Stéphane. De où? Voilà. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont déjà connectées. Nous sommes 6700 personnes connectées ce soir. J'aimerais aussi me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Désolé pour la qualité de ma voix, car ma voix est un peu cassée. Voilà. Elle est un peu cassée compte tenu de la poussière qui est rentrée dans ma gorge, mais bon, ça nous allons voir ça après. C'est pas ça le sujet de ce soir. J'aimerais me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle André Stéphane, le miel de Paris, le Hapoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Pour l'année 2022, je m'appelle Hapoutou Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux, appelez-moi désormais Monsieur la Lumière. Je suis désormais le Viking, celui-là qui est toujours combattu mais jamais à terre, appelez-moi la Lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelques temps ici, nous avons vu sur les réseaux sociaux une polémique sur l'histoire de ce qui se passe à Dubaï. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent sur les réseaux sociaux. Chacun de nous donne leur point de vue. Chacun de nous essaie de se moquer. Essaie de montrer nos sœurs vraiment sur un angle en disant des propos vraiment blessant ou blessante. De toute façon, tout le monde connaît déjà mon niveau intellectuel. C'est pas ce soir ici que ça va changer. Mais prenez quand même vos calepins pour le futur français qui va sortir. Les gens m'ont appelé de partout. Hapoutou National, qu'est-ce que tu en penses? Entre nos soeurs sont en train de manger caca à Dubaï. Pendant ce temps, je vois certains artistes qui prennent ça pour faire des chansons dans le but de rire, de rigoler. Ce n'est pas une rigolade. Ce n'est pas un sujet à caractère de buzz où nous devons présenter là-dessus. Non. C'est quelque chose qui est en train de suer nos mamans, nos soeurs, parce que la femme est une mère. Je ne peux pas m'asseoir et puis prendre cette situation-là pour faire de ça un sujet de moquerie, pour me moquer de nos influenceuses, pour me moquer de nos soeurs. Pour... Non, non. Au contraire, ça doit me servir à parler à ceux qui n'ont pas encore commis cette bêtise-là. Voici quelque chose qui se passe. Les envieuses publiques, celles qui rêvent d'avoir les sacs Louis Vuitton, Versace, allez-y à Dubaï, dormir dans les grands hôtels, tirer une photo, montrer que la ville, ça chauffe. C'est à eux-là qu'il faut donner le conseil. Ce n'est pas un sujet de moquerie. Ce n'est pas le beige où on doit en rire. Parce que même les blancs, qui sont chez eux là-bas, qui ont tout, qui ont l'or, qui ont diamant, qui tombent dans les situations les plus belles, beaux, à Bata, à Modia, et même là, dans les abords à Porto. Donc, ce n'est pas nos soeurs-là qui ne vont pas envoyer.
Mais quelle est la moralité que nous devons retenir de ça? C'est ça d'abord. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où ils sont en train d'humilier Edossi Yao. J'ai vu une vidéo où Edossi Yao marche dans les rues et puis des jeunes sont autour en train de se moquer d'elle. Comme s'ils avaient vu une image de cette dame-là en train de manger du caca. Comme s'ils avaient vu une image de cette dame-là en train de faire des pratiques pareilles. Mais qu'est-ce que nous gagnons à nous asseoir pour humilier nos soeurs, les rabaisser, les dénigrer, sous prétexte que nous avons vu des vidéos de certaines filles ayant fait des pratiques pareilles. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va prendre ça. Parce que ces jeunes filles-là vont à Dubaï, parce qu'elles vont dans les pays pareils, elles montent de liasses d'argent, elles essaient de se faire voir, donc du coup, mais qui peut protéger nos soeurs? Qui peut protéger ces personnes-là que nous-mêmes? Aujourd'hui, voici une situation qui se pose à Dubaï. Nous avons vu une soeur, je ne connais pas son nom, en train de manger du caca. Nous avons vu des témoignages de beaucoup de personnes. Je vois des parents gauche, des gens qui commencent à se moquer, disent que les femmes battantes là, voilà ce qu'elles savent faire. Voilà ce qu'elles savent faire. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à nos petites sœurs qui sont ici à Abidjan, qui sont dans les autres villes, dans les autres pays. Vous savez, être un vieux en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Mais ça te permet de pouvoir travailler pour obtenir ce que toi tu as envie d'obtenir, que tu n'as pas. Mais être envieux de ce que quelqu'un a, c'est ça qui est mauvais. Et c'est ça qui conduit la plupart du temps de nos soeurs et de nos frères à s'adonner à des pratiques néfastes. Je prends un exemple et je parle. Aujourd'hui, par exemple, je me promène dans la rue d'Abidjan, je vois une grosse maison, je dis, hey, Seigneur, si Dieu peut me donner une maison pareille, ce n'est pas une envie négative. Mais c'est une envie de vouloir réaliser quelque chose. Mais la réaliser comment? La réaliser dans le travail. Aujourd'hui, peut-être je me promets, je vois une soeur dans une grosse voiture, en train de rouler une grosse voiture. Je dis, hé hey, Seigneur, si Dieu peut bénir mon emploi, bénir mon travail, bénir mes activités, afin que je puisse avoir une voiture pareille de cette soeur-là. Ce n'est pas une envie néfaste. Mais il y a des personnes qui envient les gens sans toutefois se mettre au service du boulot qui peut leur permettre d'avoir ce que la personne a. C'est ça qu'on appelle envier, mais de la plus mauvaise des manières. Et c'est aujourd'hui pratique de certains de nos soeurs qui ne veulent rien faire. Qui s'asseyent là. Garçon va tout payer. On va les envoyer à Dubaï. On va les envoyer en Chine, en Thaïlande. On ne voit jamais quelqu'un à côté. La photo là, c'est tiré tout seul. Comme si c'est un génie qui arrêtait de loin et qui tire la photo. On n'a jamais vu ça. La personne qui tire la photo là, on ne la voit jamais. On ne le voit jamais au moins. La personne a tiré photo toujours seule. On ne voit pas la personne. La personne est toujours cachée. Elle s'en va vendre du rêve à nos soeurs. Elle reçoit des yachts là-bas. Elle reçoit des bateaux. Elle reçoit des manchés pour donner à nos soeurs une envie de dire non, ça va dans leur vie. Voici, voici. Mais parmi ces femmes aussi que vous voyez aussi sur les réseaux sociaux, là, beaucoup aussi ont les moyens aussi de pouvoir aller à Dubaï pour s'offrir une vie paradisiaque. Ou même parasite quelque chose là. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup aussi, les moyens aussi, de vouloir s'offrir aussi une vie paradisiaque. Ou même parasite quoi là, parasite quelque chose là. Une vie de rêve, une vie de luxe. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va s'asseoir jusqu'à rentrer dans l'intimité de la fille et d'Ossi Yao. Venir s'asseoir, l'insulter, la dénigrer, la rabaisser. Sous prétexte que non, elle allait à Dubaï, elle fait quoi? Elle est quelle femme battante? Elle est ceci, elle est cela. Elle a monté 30 000 euros, elle a monté 50 000 euros. Donc elle allait manger caca. Vous allez continuer dans vos bêtises un jour. Vous allez pousser certaines personnes au suicide sur les réseaux sociaux à cause de vos bêtises. Vos profondes diffamatoires sans toutefois avoir de preuves. Toujours en train de rabaisser, se moquer. Mais il n'y a jamais de moralité qui va sortir d'une affaire pour dire, ah, vraiment, il y a une situation qui se passe. Qu'est-ce que nous devons retenir? Quel est le soutien que nous devons apporter à cette jeunesse qui est perdue? Parce que nous avons une jeunesse qui est perdue. Une jeunesse qui n'a pas de repères, la majorité. Une jeunesse qui est envieuse. Une jeunesse qui veut manger, dormir et puis rouler dans les grosses voitures sans toutefois même travailler, sans toutefois même suer, même se promener. Aujourd'hui, la plupart des filles, là même, là, tu leur proposes même de travailler dans un salon de coiffure et payer 200 000 francs. Elle ne veut pas. Elle s'est dit que je trouve un gars tout de suite, le gars me donne 200 000 francs en une soirée. Qu'est-ce que je vais en foutre à me lever à 6 heures du matin pour aller travailler? C'est à cette fille-là qu'il faut donner des conseils. Ce n'est pas de faire sortir des chansons pour en rire. Mais si vous faites sortir des chansons au moins qui conscientisent au moins, c'est important. Mais des chansons où on dit à ça, manger caca là-bas. Quelle est la moralité dans cette histoire? De quoi parle le texte?
Si vous n'êtes plus inspiré là, arrêtez de chanter. Si vous n'êtes plus inspiré sur la toile ici, là, arrêtez de chanter. Vous n'avez pas besoin de chanter. Si vous ne pouvez pas chanter pour faire passer un message de quelque chose qui se passe, une pratique qui se passe partout dans le monde entier, ce n'est pas que les filles africaines. Parce qu'on a vu ici des influenceuses françaises qui ont fait des témoignages, qui ont dit ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont vécu avec des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est perdue. Une jeunesse qui aime la facilité. Tu arrives à Abidjan, tu vois la majorité de nos soeurs là ne veut rien faire. Tu leur demandes foutre quoi? Je ne fais rien. Mais j'habite à Angré. Bon, tu habites à Angré dans la maison, 200 000 francs, 300 000 francs, tu payes ça comment? Tu ne travailles pas. C'est porte à porte où on fait Abidjan ici. C'est pour Dubaï que nous on voit, mais pour Abidjan est pire. C'est pour Dubaï qui est sorti que nous on voit, mais c'est pour Abidjan qui est pire. Bon, tu as Angré ici, tu donnes dans la maison 300 000 francs, 400 000 francs, tu ne travailles pas. Tu n'as aucun revenu, tu payes la maison là comment? C'est porte à porte. C'est porte à partie. Il y en a même à porte à Abidjan ici. C'est pour Dubaï que nous on a vu. Pour celui qui passe à Assini ici, c'est grave. C'est grave. Nous devons donner conseil à nos soeurs, à nos frères, qui aiment la facilité, qui pensent que la vie là, elle est résolue qu'à la facilité. Genre, j'ai un beau corps. Je suis une belle femme. Qu'est-ce que je vais foutre à aller travailler? Donc, je vais trouver des gars. On leur propose un temps là. Pour ceux qui sont à Abidjan ici, un temps là, il y avait un système qui s'est passé à Abidjan dans les années 2017-2016 là, où on écrivait aux filles par une bosse. Tu écris aux filles par une bosse, tu leur dis, ah, bon, je suis une jeune fille. Les jeunes là créaient des faux comptes, des jeunes. Ils vont se reconnaître. Ceux qui sont à Abidjan vont se reconnaître. Il y a plein de filles qui ont été contactées par ça. C'est même pas porte à porte où, hein. Elles ont été beaucoup gratuitement. Je vous en explique. En 2016-2017 là, il y avait une pratique à Abidjan où les gens créaient des comptes avec des photos des filles. Genre une vieille mère qui contacte une fille, elle dit, ah, ça va, tu vas bien. Ah, bon, moi, j'ai mon bas en zone 4, je m'appelle tatatatata. Bon, j'ai des riches gars là, j'ai des jeunes là qui ont les moyens. Bon, tu vas aller le croiser, tu vas lui faire un coup. Et puis, bon, tu finis là-bas, tu viens chez moi, je donne 200 000 francs. Il y a des filles qui ont été moukoussa toutefois voir la vieille mère. Voir la personne même qui est au devant de la chose. Elles savent se faire moukouche le gars. Et elles finissent. Elles appellent maintenant la personne là maintenant. La personne, le téléphone n'existe pas. C'est un petit bouton. C'est le petit là qui a fait le mouvement. C'était passé à Abidjan, s'il plaît. Et je vous dis. C'était passé à Abidjan, s'il plaît. C'était un fléau à Abidjan ici dans les années 2016. Si j'ai moi écrivé un commentaire pour tout dans la timan. Si j'ai moi écrivé un commentaire pour tout dans la timan. Si c'est passé à Abidjan ici. Comment toi, quelqu'un peut t'écrire sur Internet? Tu n'as jamais vu la personne. Tu as peut-être causé avec quelqu'un qui a la voix d'une fille qui te dit non. Va dans tel endroit. À Trècheville, à Makori ou à Yopougon, tu vas croiser un jeune là-bas. Tu vas aller faire les choses avec lui. Tu finis, tu me trouves à Angré, tu me trouves à Makori, tu me trouves à Popoué. Tu vas prendre ton argent, 200 000 francs. Et puis, elles aiment la facilité. Sans toutefois réfléchir, elles prennent le transport, elles viennent croiser le gars. Le gars, la lime, il finit de la mougou. Et elle, elle appelle maintenant le numéro qu'il a appelé là, qu'elle n'a jamais vu. Le numéro qu'elle n'a jamais vu, elle appelle le numéro là maintenant pour dire, ah, bon, j'ai fini le gars, la vieille mère, tu es où? Portable est fermé. Elles sont arrêtées maintenant sur la route maintenant. Elles sont en train de pleurer. C'est cette vie facile là que nos soeurs ont vécu et continuent de vivre parce qu'elles aiment la facilité. Elles ne veulent rien foutre. Elles ne veulent rien foutre. Et elles sont assises là. Quand tu vas leur demander net, je me cherche. Quand tu vas leur demander net, c'est ma vie, c'est l'auto. Mais ma chérie, il y a des gens qui sont sortis de nulle part, qui ont travaillé, qui sont devenus quelqu'un par le fruit de leur travail. C'est l'envie de vouloir faire comme ton ami là qui te pousse à t'adonner à des mauvaises choses. C'est l'envie de vouloir faire comme tes amis. Tu penses que parce que quelqu'un a sac Louis Vuitton, toi tu dois avoir sac Louis Vuitton. Mais si ton argent n'arrive pas à sac Louis Vuitton, il faut porter Fibéry. Et te dit que demain Dieu va faire que tu vas porter Louis Vuitton. Mais toi tu veux t'asseoir. Tu as des rondeurs, tu es joli, tu ne veux rien foutre. Tu vas de gars en gars. Tu mouques ici 100 000 francs, tu mouques ici 50 000 francs. Tu mouves ici 30 000 francs en te demandant net, moi je me cherche où. Et puis si elle a demandé là, elles tous, elles sont dans produits cosmétiques, elles vendent pommade. Bon, si toutes les filles vendent pommade là, qui va payer pommade là? Ah bâtard, maudia. On peut vivre comme cela dans ce monde là. Aujourd'hui, nous devons avoir des personnes qui vont réveiller cette jeunesse là. Qui vont parler à nos jeunes soeurs. Je ne vais pas me dire que c'est la pauvreté, mais c'est le manque d'éducation qui pousse certaines personnes à faire certaines choses. C'est pas forcément que la pauvreté qui pousse les gens à aller s'adonner à des pratiques néfastes. Non, non. C'est le manque d'éducation. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles
à 15 ans, 13 ans, qui sont des prostituées habillées ici, qui sont arrêtées au bord de la route. C'est à ces filles-là que nous devons parler. Des filles qui regardent la vie des stars, qui ont envie de faire comme les stars. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Quand tu sais d'où tu viens là, tu dois attacher ton keiwa pour que là où tu vas là, quand tu arrives de la plus belle des manières. Nous, influenceurs, là, nous ne devons pas en rire de l'histoire de Porta Porto. Non, non. Mais quelle est la leçon à tirer? Et quel est le message que nous passons à notre sœur? C'est ça que nous devons retenir. Ce n'est pas une histoire qui fait rire. Qu'est-ce qui fait rire dans l'affaire de Porta Porto là? Qu'est-ce qui fait rire dedans? Qu'est-ce qui fait rire dans l'affaire de manger caca là? Qu'est-ce qui fait rire de coucher avec les animaux? Coucher avec les chiens, les chiots, les chihuahuas. Qu'est-ce qui fait rire dans ça? Qu'est-ce qui fait rire jusqu'à ce qu'en fasse sortir des chansons où on dit caca est à manger caca, ils vont à Dubaï pour manger caca. Qu'est-ce qui fait rire dans ça? Ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire. Le monde commence à se pervertir. Le monde commence à devenir autre chose. Les gens pour de l'argent sont prêts à tout. Elles vont là-bas et disent que non, je m'en vais à Dubaï, je vais faire ça. Qui me connaît là-bas? Voici dans le fait de qui me connaît là. D'autres se sont donné la mort. Voici dans le fait de qui me connaît là. D'autres se sont donné la mort parce que les vidéos sont sorties. C'est dans l'affaire d'envier là qu'on est arrivé là. Elles vont toujours à Dubaï. Elles ne voient jamais le gars qui tue photo là. Elles dorment dans la maison de luxe, dans l'hôtel de luxe. Tu leur demandes, je suis femme battante. Ceux qu'on m'envoie au moins pour moi, on peut dire que voilà, ce sont les femmes battantes. Mais vous, on ne voit aucune réalisation. On ne voit même pas ce que vous faites. On ne voit pas votre commerce qui apporte de l'argent. Mais vous montrez des liasses de biais. Comme si l'argent là sortait de nulle part. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nos petites soeurs qui sont là, j'aimerais vous dire, la vie n'est pas facile. Nos mamans là, elles pouvaient se donner à la prostitution. Mais elles partaient au marché pour vendre leur gombo 50-50. Elles nous ont mis au monde. Elles essayent par les moyens possibles de nous éduquer, nous inclure des vraies valeurs. Mais nous, à déjà 14 ans, elles veulent avoir iPhone 13. À 15 ans, elles veulent avoir iPhone 14, iPhone 17. Toi, tu dois dans le salon, mais tu veux iPhone 15. Tu dois dans le salon, tu as iPhone 15. Pourtant, tu vois la souffrance de tes parents. Ton iPhone 15 peut te permettre de pouvoir donner un commerce à la famille. Dis, maman, ah, il y a un gars qui a acheté iPhone 15 pour moi, ça coûte 1 million. Qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Maman, voici portable, là. Vendons, réalisons quelque chose. Mais non, elle préfère rester dans la maison, là. À ne rien foutre, se réveiller matin, sortir, aller fumer chicha. Rentrer le soir, comme si elle était de volcan. Dans les rues ici, elle tout un fume. Elle fume chicha, elles ont chocolaté. Elles boivent champagne, elles fument cigarette. Elles ont iPhone 13. Tu leur demandes, j'habite à Niamey, à Patar. Tu peux avoir iPhone 13 et puis habiter à Niamey. Agnaman, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est une expression polyrale. Ah oui, le français a commencé à doser. Ça, c'est beau, ça, ce soir. Pas tellement le direct, mais tu le cœur. On a 9400 personnes pour le dire. Pas tellement le direct. Tu vois nos petites soeurs là, elles ne travaillent pas, elles ont iPhone 13. Tu n'as aucun revenu, tu as iPhone 13. Tu l'as dit là, mais tu habites où même? Tes parents sont qui même? Tes parents sont sous couvert, ils n'ont rien. Manger même ses problèmes, tu as iPhone 13. Elles sont toutes femmes battantes. 14 ans, 15 ans, il faut les voir ses problèmes dans la rue d'Abidjan. C'est l'envie. Elles regardent nos stars à la télévision. Elles regardent nos stars à la télévision. La majorité de nos stars aussi, au lieu de leur dire, ne faites pas, ne regardez pas parce que nous on est là, là, pour être ça. Mais battez-vous, croyez en vous, donnez le meilleur de vous. Elles sont là, elles regardent seulement. Ah, j'ai vu ça, lui, Vuitton, chez chose là. Ah, apparemment, il y a un nouveau gars. On dit, il est puissant, il a l'argent. Hein. Il a fait, j'étais moi, 3 millions si tu disais, hier. Ah bon, hein? Il est où? Ma chérie, mets-le-moi en contact. On s'en va là-bas maintenant. Ils vont les limer les gésiers jusqu'à sortir de leurs narines pour un sac de 300 000 francs, de 50 000 francs pour rentrer le matin. Cet argent-là, même, ça te profite en quoi? Nulle part. Nulle part, ça ne vous profite. C'est ce conseil-là que nous devons donner à cette jeunesse-là. Nous avons une jeunesse qui n'a plus de repères. Nous avons une jeunesse qui n'a pas quelqu'un sur qui il faut copier. Nous avons une jeunesse qui pense à la vie belle. Pour elle, là, j'ai un joli corps, j'ai un joli thé, j'ai des rondeurs, je suis belle, rien ne peut me manquer. Elles sont prêtes à tout pour avoir ce qu'elles ont envie d'avoir. Les sacs à main, les téléphones, des choses éphémères, des choses qui n'ont aucune importance. Des choses qui ne peuvent rien apporter. Elles ne vont jamais venir te parler de projet. Jamais venir te parler de « Ah, j'ai envie de faire tant, j'ai envie d'ouvrir tant. » Mais quand elles viennent,
Mon portable est gâté. J'ai besoin de 100 000. J'ai besoin de 200 000. J'ai besoin de 300 000. Je vais aller à Porta. Je vais aller à Dubaï. Ma copine allait à Dubaï le mois passé là. On dit Dubaï, je... parce qu'actuellement là, Maroc ne les paie plus haut. Avant le repère de ces filles là, c'était pour le Maroc. Aujourd'hui, Maroc là, ça ne les paye plus. Qu'est-ce qu'on fait? On va à Dubaï. C'est normal. On va à Dubaï. Mais aujourd'hui, nous devons retenir une moralité dans cette histoire. À toutes mes soeurs qui me regardent, aux 9600 personnes qui sont en direct ce soir, mes soeurs, c'est à mes petites soeurs que je m'adresse. C'est à mes grandes soeurs que je m'adresse. C'est à cette jeunesse que je m'adresse. La vie n'est pas facile. Si quelqu'un vous a dit que je suis quitté de nulle part pour devenir quelqu'un, pour devenir riche, sans toutefois fournir d'efforts, c'est faux. Toutes les grandes dames que vous voyez dans ce pays-là, elles ont souffert. Elles sont passées par la bataille, par l'humiliation parfois. Elles ont vendu des choses. Elles ont vendu des pailles, des ananas, des oignames, des oignames. Elles ont vendu des choses aujourd'hui pour être là. Elles se sont battues. Regardez aujourd'hui la vie de nos mamans dans les marchés. Nos mamans là, elles ont encore du jus. Hein. Il y a des femmes qui vont au marché qui ont 40 ans, qui ont 35 ans, qui ont encore du jus, qui peuvent aller se prostituer, mais c'est le matin pour aller vendre son poisson. C'est pas parce qu'elle ne connaît pas valer de l'argent. Elle connaît valer de l'argent. Il y a des hommes aujourd'hui qui cherchent à sortir les femmes vieilles là. Elles peuvent aller aussi se donner aussi. Mais elles se lèvent matin pour aller vendre au marché. Parce qu'elles ne veulent pas suivre leur corps. Vous aimez trop la facilité. C'est aimer la facilité là qui vous pousse à vous faire des bêtises. Sinon, quand tu regardes un homme conscient, un homme normal, peut aller s'abaisser, ouvrir sa bouche pour que quelqu'un puisse venir déféquer dedans. Si ce n'est pas à cause de l'argent. Tu te dis que non, ce n'est pas dans ton pays. Je m'en vais en Chine. Je m'en vais à Dubaï. Ils vont me donner 30 000 euros. Ça fait 20 millions. Ce chien, ma mougou, qui c'est? Pour de l'argent. Tu peux aller mougou avec un chien. Sortir de là. Et puis avoir une maladie qui va faire que l'argent que tu as pris là-bas, là, ça ne suffit même pas pour payer tes médicaments. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Tu peux avoir 100 millions tout de suite là. Et puis avoir un problème de 200 millions. C'est la loi de la nature. Tu peux avoir 500 millions tout de suite. Garçon peut te donner 500 millions. Et puis tu sors de chez lui là. Et puis, avec tout ce que ta maman est en train de mourir, elle a besoin de 1 million. Elle a besoin peut-être de quoi même. Tu as pris 500 millions. Dis que ta maman a besoin tout de suite là de 700 millions pour se faire soigner. Toi, tu as 500 millions. Tu n'as pas laissé ta maman mourir. Tu vas donner cet argent là. Tu allais suer ton corps pour ne rien. C'est pour te dire. L'argent mal acquis ne profite pas. Ceux qui vont te dire qu'il n'y a pas l'argent sont des menteurs. Parce qu'il y a de l'argent quand tu manges, tu es libre de manger. Tu es content de manger. Tu es content de partager. Et il y a des argents quand tu. Et il y a l'argent quand tu prends la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu imagines que tu as couché avec un chien. Tu peux dormir comment la nuit si tu n'as pas de faire de mauvais rêves. Cet argent-là, même si tu veux acheter Louis Vuitton, faut acheter les plus grands parfums du monde entier. Tu ne pourras pas enlever l'odeur ça là sur toi. Tu ne pourras jamais enlever cette odeur-là sur toi. Et toute ta vie, ça va te suivre. Tu seras marié, tu auras des enfants et tu auras le regret toute ta vie. Peut-être arriver à un moment donné, tu vas faire de nos suicides. Mais quand tu vas penser à ce que tu as pu faire pour obtenir ce que tu as là, tu ne pourras jamais te regarder dans un miroir. Tu ne pourras jamais te regarder dans un miroir. Mais l'argent de la souffrance de tes sueurs, ma soeur, quand tu te promènes dans les rues, quand tu achètes un bonbon de 10 francs, tu achètes avec le sourire, ben tu sais que cet argent-là, tu l'as gagné dignement. Il n'y a rien de tel de moyen l'argent qui est sorti bien à bâtard. Je vous explique. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. L'argent qui est sorti de manière digne, là, quand tu manges ça, là, il n'y a pas l'homme qui est plus content que toi. Celui qui a 100 000 francs, qui l'a souffert pour gagner. Celui qui a 20 millions à côté ne peut pas influencer celui qui a 100 000 francs là. C'est 100 000 francs dans sa poche là. La valeur de ces 100 000 francs, tu ne peux pas t'imaginer. Lui s'en fout de celui qui a 100 millions là. C'est ça qu'il s'agit. Quand tu vois un Malawa qui allait travailler durant le mois, à qui ils ont payé 100 000 francs, et puis quelqu'un qui a 100 millions devant lui ne peut pas effrayer le Malawa. Mais quand le Malawa paye sa chose, son gars passe 100 francs à ticket 200 là, il mange ça avec amour parce qu'il a souffert pour gagner. Mais vous, vous ne voulez rien faire. Vous voulez vous lever le matin et puis manger. Et puis manger. Il y a des filles, tu les vois, elles sont belles dans les rues là. Le regret qui les ronde là. Le regret qui est dans la tête. Les hommes, le regret qui est dans la tête. Parce qu'ils ont choisi le chemin de la facilité. Ils ont choisi le chemin de je ne fournis pas de fois, je deviens riche. Mais pour être riche là, tout le monde peut être riche dans ce monde là.
Tout le monde peut être riche dans ce monde-là. Mais c'est parce que d'autres n'ont pas envie de faire des pratiques néfastes pour ne pas se retrouver dans le regret que certains sont assises et puis elles travaillent. Les femmes qui vont dans les rues, en train de vendre leur lot glacé au milieu de la route, où voiture peut les cogner là, elles ne sont pas maudites. Elles ne sont pas maudites, elles aspirent à un avenir meilleur. Quand tu te promènes dans les rues et puis tu vois les filles sont en train de vendre leur lot glacé différent, là, ce n'est pas parce qu'elles ne connaissent pas le chemin de la prostitution. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas Jésus en bas d'elles. Ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas où on va aller vendre leur corps pour gagner de l'argent. Elles savent ça. Mais elles décident de ne pas suivre leur corps. Les 50-50 là, un matin tu vas te réveiller, elle a construit une meuble SCN. Elle a construit une meuble S50-50 là. Mais vous avez 22 ans, 23 ans, vous habitez en Grèce ici. Quand tu les demandes, c'est pas ce que tu fais. Tu vends le gésier. Tu es porte à porte à Abidjan ici. Faut dire la vérité. Quel est le travail que tu fais pour dormir dans la maison de 300 000 francs à Abidjan ici? Tu ne fais rien. Tu n'as aucun revenu, tu n'as aucune entreprise. Tu n'as aucun diplôme. Elle ne veut même pas aller à l'école même. C'est une perte de temps ça là. C'est une perte de temps. Je fais quoi à l'école? Je fais quoi à aller travailler pour gagner 150 000 francs? Je fais quoi à ça? Elles n'ont pas ce temps là. Je vais aller mourir un tel gars, il va me donner transport 100 000 francs, 60 000 francs. Je rentre à la maison. Qu'est-ce que je vais à foutre? Si j'ai mourir 5 gars, 10 gars dans le mois, ça me fait au moins combien? Un truc de 400 000 francs, 500 000 francs. Je paie ma maison 200 000 francs. Je paie facture de courant. J'ai 200 000 francs pour me faire belle, pour payer portable. Il y a les filles pour elles, même là. Tu peux toucher l'intestin. Ah, bâtard. Il y a les filles pour elles, tu peux toucher l'intestin. Elles vont ouvrir le gisèle quand tu vas voir même tout ça de clés dans l'intestin là-bas. Elles sont prêtes à tout pour avoir iPhone, pour de l'argent. Il y a les filles qui font des vidéos même là. Je m'appelle Awa, j'ai iPhone 13. Je m'appelle Cynthia, j'ai iPhone 14. Je m'appelle Clotumou, j'ai iPhone 12. Toi, tu as quoi? Je m'appelle Gelema, j'ai iPhone 13. Je m'appelle Tata, j'ai iPhone 12. Je m'appelle Tata, envoie les vidéos là ici. Des illettrés, haut débit. Des envieuses, haut débit. Des analphabètes, haut débit. C'est l'héritage qui est là. C'est celle-là qui vaut un portant. Pour aller donner les gésiers à des gens qui n'en valent même pas la peine. Pour de l'argent. Quel argent même? Quel bon argent? Là que vous prenez, même, vous avez réalisé quoi dans ce pays? Rien. L'argent que vous prenez là, vous avez déjà réalisé quoi avec cet argent dans ce pays? Rien. Vous prenez les 30 000 euros, venez faire boucan, payer les sacs dilapidés. Paye pour toi, tu vas gagner encore, quelqu'un encore, tu vas venir encore, t'envoyer encore, payer 30 000 francs. Mais non, c'est fini. Le gars, quand il te mourut une fois, il te mourut pas, deuxième fois, lui n'a rien à foutre de toi, lui a beaucoup d'argent. Et si t'as mouru deux, trois fois, c'est fini. Il a pris toute ta chance. Tu as peur, tu chef, et j'ai dit non, c'est fini. On ne peut pas renouveler ton amour. Ton âme n'a plus de droit où? Ah, bâtard. Il y a des gens qui sont allés chez Malabou pour aller vendre l'âme. On dit c'est fini. Tu n'as plus de chance. Il veut se tuer. Il y a des gens qui sont allés chez Malabou pour vendre l'âme. Malabou a dit qu'elle n'a plus payé. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien à gagner, ma chérie. Il n'y a plus de droit où? C'est ça qu'il s'agit. Parce que tout ton droit où là, tu as passé ton temps à donner ton Jésus aux gens. Ils ont pris tout le droit où? Donc là où tu es là, poids va te tuer. Malabou ne veut même pas de toi. Fétichat dit non. Ta chance est finie. Tu vas aller où? Tu vas vendre quoi encore? Il n'y a plus rien. Ils ont appris tout droit où là? Par la facilité. Par la facilité. Donc à toutes mes petites soeurs qui nous regardent, s'il vous plaît, quand une situation se passe, prenez le côté positif et le conseil qui va avec. Porte à porte là, ce n'est pas un mouvement pour rigoler. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la blague, c'est de la réalité. Ça passe sur les chaînes françaises. C'est un buzz mondial. Parce que c'est des pratiques néfastes qui sont en train de sortir, qui sont en train de connaître le jour. Ce qui se passe réellement à Dubaï avec nos sœurs, c'est qu'elles savent faire. C'est qu'elles savent faire. Il y a d'autres aussi qui vont aussi à Dubaï aussi pour acheter leurs marchandises, leurs habits. On va les confondre tous ensemble. Il y a d'autres aussi qui vont aussi à Dubaï aussi pour leurs affaires, pour se reposer. On va les confondre tous ensemble. Parce que c'est tout ce qui se passe à ce moment-là qui en regarde. Mais prenez quand même le côté positif dans cette histoire. Et arrêtez de chercher à dénigrer vos soeurs ivoiriens, vos frères ivoiriens, vos influenceurs ivoiriens. Les rabaisser, les dénigrer, ça ne sert à rien. Au contraire, prenez ça pour lancer un message à nos soeurs qui n'ont pas encore vu, peut-être ou fait encore cette pratique-là. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais quelqu'un qui est déjà noyé, là, tu ne peux pas le sauver. Mais quelqu'un qui est en train de se noyer, tu peux le sauver. Voilà. Et moi, là, ce n'est pas à ceux-là que j'ai donné conseil. Mais c'est à ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore pris cette route-là. C'est à tel-là que je dois donner conseil. C'est à eux-là que je dois m'adresser. C'est à eux-là que je dois leur dire, mais sœur, le monde est mauvais.
C'est quand vous voyez là, ça ne plie pas. Les histoires d'influenceuses boivent champagne, fumer cigare, bah là. La majorité, ce n'est pas flotteuse. Elles n'ont même pas 5 francs. Elles sont prêtes à aller prendre 100 euros pour aller s'asseoir dans le bateau pour fumer les chichas, boire les champagnes, pour montrer que non, il y a une vie de luxe. Pourtant, qu'elle rentre à la maison nette, problème sur problème. La majorité vous donne ce que vous avez envie de voir. Pourtant, les vies, même là, rien ne chauffe. Les vies, elles comme dessin animé, manga. Ça ne sert à rien. N'enviez pas les personnes de cette manière-là. Mais enviez les personnes sur le plan positif et sur le plan du travail. Ma copine a iPhone 13. Qu'est-ce que je peux faire pour que demain j'ai iPhone 14? C'est de les mettre au travail déjà. Parce que iPhone, ça sort chaque année. Tu n'as pas eu iPhone 13 aujourd'hui. L'année de 2014, là, tu pourras avoir ton nom pour avoir iPhone 14. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une activité en place. Pour que quand on va dire septembre de l'année 2022, là, tu puisses avoir de l'argent pour acheter ton iPhone 14. Et tu vas dépasser ta copine qui a eu iPhone 13. Mais qui en 2022 voulait avoir iPhone 14, le gars qui payait le iPhone 14 n'est plus là, donc elle ne peut plus payer. Elle a oublié de vendre ça pour se retrouver dans iPhone 6. Est-ce que vous voyez un peu les étapes de la vie? Est-ce que vous voyez un peu les étapes de la vie? C'est comme cela. Donc pour que tu puisses avoir ton iPhone 14 là, mets-toi déjà au travail. Tu n'es pas obligé d'avoir iPhone 13 là, mais tu peux avoir iPhone 14 si tu te mets déjà au travail maintenant. Pour que dans un an, tu puisses gagner cet argent là pour aller acheter iPhone 14 à la sueur de ton front. Quand tu achètes là, tu achètes avec amour. Tu prends le téléphone avec le cœur. Tu prends le téléphone avec la joie. Tu prends le téléphone parce que tu as souffert, parce que tu as pris de ta sueur, de ton argent pour payer ce téléphone là. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Même chose n'est pas pareil. Même chose n'est pas forcément pareil. Je vous en supplie, messieurs. La vie n'est pas facile. La vie des rêves que nous vous vendons sur les réseaux sociaux là, la majorité là, c'est pas notre vie. La majorité n'est pas notre vie. Venir s'asseoir, se montrer comme si nos vies chauffent. La plupart du temps, là, nos vies ne chauffent pas. La plupart du temps, même 1000 francs pour gagner, même n'en a pas. Mais on est obligé de montrer qu'on a ça. Et quand vous nous regardez là, prenez ce qu'il est à prendre bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, là, prenez. Ce qui est mauvais, là, laissez. Ce qui est mauvais, là, c'est l'envie de vouloir faire comme ceux que vous regardez sur les réseaux sociaux, là. Ce qui est mauvais. L'envie d'avoir les sacs Louis Vuitton. Voyager en classe, à faire un business class, là. C'est cette envie-là que vous devez enlever dans vous. Vous devez avoir l'envie du travail, l'envie de rêver grand, l'envie de voir et mal loin, et puis dire, ah Seigneur, si Dieu peut me bénir pour que je puisse gagner de l'argent à la sueur de mon front, peut-être un jour payer iPhone 14, iPhone 15, sac Louis Vuitton. C'est cette envie-là qui doit t'animer. Et non l'envie de t'asseoir, te coucher, chercher les vieux, les vieilles pour les mougou et puis gagner de l'argent pour aller vivre comme eux. Cet argent-là ne va pas être profitable pour toi. Si tes camarades t'ont dit que cet argent-là sera profitable pour toi, ils t'ont menti. Parce que tu seras dans le regret. La jeunesse là, ça passe tellement vite, vous ne pouvez pas imaginer. Afin de je suis belle là, il y a des filles qui sont restées dans ça, elles ne sont pas mariées. Elles ont eu 45 ans. Le matin quand on se réveille net là, il n'y a plus de garçon pour les marier. Qui va prendre ces chaussettes qu'ils ont déjà utilisées? 27 est mien. Mien. Oh, mien. Mot diable, tu es bête ou bien. Qui va prendre chaussettes de 27 est mien? Personne ne va prendre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc retenez le côté positif dans cette histoire et la moralité à retenir. N'aimez pas la facilité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est tout simple. Travaillez, luttez pour votre avenir, pour votre demain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était ce message que j'avais annoncé ce soir. Et je profite pour dire à mes petites soeurs que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Croyez en vous. Vous avez la capacité de réussir. Vous avez la capacité d'entreprendre, de réaliser quelque chose. 1000 francs, 2000 francs investis peut te rapporter 10 000 francs demain. 50 000 francs investis dans quelque chose peut te rapporter 500 000 francs demain. C'est comme ça la vie. Travaillez. N'ayez pas honte. Ne vous dites pas que non, je suis trop belle pour aller être secrétaire. Je suis trop belle pour aller travailler dans salon de coiffure. Je suis trop belle pour aller travailler dans tel coin. Je suis trop belle pour travailler dans boulangerie. Je suis trop belle pour travailler à la sotra, je suis trop belle pour essuyer maison. Je suis trop belle pour être servante. Il n'y a pas quelqu'un qui est trop belle. Jamais de la vie. Tu ne peux pas être plus belle que le moment là. Tu ne peux pas être plus jolie que ta maman. Mais ta maman a fait ça et puis elle t'a mis au monde. Et puis tu es devenu ce que tu es. Tu n'es pas plus belle que ta maman. Donc si ta mère a travaillé à la sueur de ton front pour que toi tu sois là où tu es là, tu dois travailler à la sueur de ton front. C'est pour que tes enfants aussi soient aussi là aussi où ils sont. Pour ne pas que tu retournes dans le regret demain. C'est de ça qu'il s'agit. La beauté là, c'est éphémère. Gros sein, grosse fesse, ça finit. Petite maladie, tu ressens ma chaussette. Petite maladie, tu ressens ma chaussette.
C'est des choses éphémères. C'est des choses qui disparaissent du jour au lendemain. Mais ce qui n'est pas éphémère là, c'est la crainte de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, il y a certaines pratiques que tu ne peux pas faire. Quand tu as foi en Dieu et que tu sais que ta vie là est une grâce, est une bénédiction. Et que tout problème qui t'arrive aujourd'hui n'est pas infini là. Que demain ta vie peut changer là. Il y a des pratiques que tu ne peux pas faire. Quand tu as foi en Dieu et que tu t'assois, tu dis je viens d'une famille pauvre, oui. Maman n'a pas l'argent, papa n'a pas l'argent. Je suis obligé de me livrer à la rue dans le but de pouvoir m'en sortir et enlever ma famille de la pauvreté là. Tu n'es pas obligé de donner, tu n'es pas obligé de donner à des, certaines choses. Mais le travail et la foi en Dieu peuvent t'ouvrir certaines portes que tu ne peux pas t'imaginer. Le travail, la foi, la détermination, c'est dire je peux y arriver là. On ne doit pas t'enlever ça. Personne ne doit te mettre dans l'esprit que tu es un bon à rien. Parce que quand tu te dis que tu ne sers à rien, que rien de bon ne peut sortir dans toi et que tu vas t'adonner à la facilité. Mais quand tu sais que toi là, tu es un trésor devant Dieu, devant toi-même. Parce qu'il faut s'aimer toi-même d'abord. Il faut croire en toi-même. Il faut croire en soi-même d'abord. Il faut te dire que moi là, je suis un trésor. Je suis un trésor. J'ai même ma foi en Dieu. Aujourd'hui est difficile, mais demain la pluie va arriver. Et après la pluie là, c'est l'arc-en-ciel. C'est la beauté de la nature. C'est cette récolte là qui va te permettre de pouvoir manger ton argent dignement. Dormir dans une maison digne. Te promener de manière digne. Soulever la tête comme ça quand tu marches. Et quand tu regardes dans le miroir, tu es fier. Tu dis voilà. J'ai pu réaliser ça par mon travail, par la souffrance. Ce que vous voyez là, la majorité sont les pafloteuses. La majorité n'ont rien. La majorité là, elles n'ont rien. Elles vous vendent du rêve. Donc force à Edossi Yahou. Force à Maman Kotia Monchik. Force à Emma Loès. Arrêtez de les dénigrer, les insulter. Ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Ce n'est pas en les insultant, en les exposant, en voulant les humilier là, qui va faire que vous allez trouver compassion à ce qui se passe. Non. Mais c'est à notre petite sœur qu'il faut donner des conseils. Pour leur dire oui, Emma Loès à sac Louis Vuitton, tu n'es pas obligé d'avoir, si tu n'as pas l'air de ça. Tu n'es pas obligé de vendre ton Jésus pour vivre comme elle. C'est le conseil là que nous devons donner à nos sœurs. Ben, les gens les plus influençables sont nos petites sœurs qui sont dans la fleur de l'âge, qui ont envie de vivre tant, réaliser tant, avoir tant, dormir tant, réaliser tant. C'est elles là qu'il faut donner des conseils. Porte à porte là, c'est pas buzz, c'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas quelque chose de besoin à faire une chanson pour en rire, pour se moquer. On se moque de qui, de quoi? Réfléchissez un peu. On se moque, on rit de quoi? On rit de quoi? Faire sonner des chansons qui vont conscientiser que non, elle s'en va là-bas pour me caca. Maudiala. Maudiala. Quoi, elle s'en va là-bas, c'est pour manger caca. Porte à porte, manger caca. Vous dansez, vous riez, genre ça fait rire. J'ai les gens qui mettent les likes. Où est la moralité qui sort de ça? Si ce que Dieu bénisse l'Afrique, le Apoutou National est toujours encore à Abidjan. Voilà, je suis à Abidjan pour... Je suis dans mon pays, fier d'être à Abidjan. Je suis dans mes activités. J'informe ici que ce samedi, je serai à Dembokro avec Sidiki Diabaté et puis Emma Loès. Voilà, nous venons à Dembokro sur le parrainage de son excellence, M. Aka Akman. Voilà, fils et cadre de cette belle ville qui est Dembokro. Donc ce samedi à partir de 9h, Emma Loès, Apoutou National et Sidiki Diabaté seront de la partie. Avec le père d'Aloa, nous arrivons à Dembokro pour un show inédit, pour le concert de Sidiki Diabaté et aussi pour le message de l'entrepreneuriat que va lancer Emma Loès à cette jeunesse, aux jeunes filles de Dembokro. Donc nous invitons toute la commune de Dembokro à sortir massivement. Voilà, je suis logé à BNB Resort, résidence hôtel située à Angré 8e tranche, juste à côté du feu de Sikoumès. Vous avez envie de dormir dans un cadre vraiment sain, un cadre vraiment joli, un cadre vraiment paisible, un cadre vraiment qui correspond à tous les goûts que vous rêvez d'avoir. Que vous soyez en Europe, en Afrique, venez à BNB Resort, c'est là où le Apoutou National est logé. Nous sommes en direct en ce moment ici de 7300 personnes. BNB Resort, c'est là où je suis. Je dis merci aussi à toutes ces personnes qui m'aiment de près ou de loin, à toutes ces personnes qui m'apportent un soutien de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à mon maire, Youssouf Doumbia, maire et député de Bégéville.
qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Merci à mon parrain Fabrice Aognon, à mon producteur Maury Lemoula, merci à ma famille. C'était juste un petit dîner ce soir. J'espère que je n'ai pas été trop fort, je n'ai versé personne. Si jamais c'est le cas, je m'en excuse. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Ciao, ciao.